Salut à tous, c'est Nesouk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Polybridge. C'est vrai qu'on s'était laissé sur un pont assez bizarre. Faut que la voiture A aille en haut et la voiture B en bas. Sachant que la A par avant, c'est problématique. On va commencer par un truc simple, j'ai envie de faire. Une route assez simple pour l'instant, on va faire. On va faire la technique des triangles. Voilà, mes triangles, ils sont peut-être un peu bizarres, je suis d'accord avec vous. Bon, est-ce que déjà ça, la voiture A, est-ce qu'elle peut aller au point A? Ouais, la voiture peut aller au point A facilement. Par contre, comment on fait pour que la voiture aille B aille au point B? Réfléchissons. Je pense qu'il faudrait que je fasse un truc à suspension, mais ça m'intéresse. Je crois que j'aime pas ça du tout, moi, en fait. J'ai fait un truc, mais en fait, je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Waouh, super. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Voyons voir. Il faut que ça se coupe, normalement. D'accord. Ok, il est passé dessus, mode tranquille. Ok, j'ai enlevé une barre, voyons voir ce que ça donne. Ah. Ouais, non, pas trop. J'ai mis un système hydraulique, on va voir si ça marche. What the fuck? Oh! Eh, ça aurait... Eh, attends. Ouais, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi ça a pas marché? J'ai encore du mal avec les systèmes hydrauliques, ils vont jamais dans le bon sens. Avec un peu de chance, peut-être que... D'accord. Ouais, presque. Ah oui, mais il cogne contre le haut. Oh, je tenais quelque chose là. Je tenais quelque chose. Franchement, je tiens quelque chose. Attendez, je mets la vitesse en x100. Faut que j'enlève ça. Que je mette du bois là et là. Non, pas ici. Non, attends, pas ici, je crois. Pas là. On va tester. Non. Peut-être, en fait. Ah! D'accord. Super. Super. Ah, attendez, si je lève un poil la route, peut-être que... Ah, super. Pourquoi tu m'expliques pourquoi t'as fait ça tout là-bas? Pourquoi tout là-bas ça a lâché? T'es sérieux? Ah. Oh, c'était magnifique. Mais je suis hors budget de 240$. C'était beau, mais je suis hors budget. Donc on descend un tout petit peu les triangles. Je sais pas vraiment comment ça se fait que là ça a marché. Tout à l'heure ça a pas marché. Donc ça se baisse. Ça vient à peu près où il faut. Le petit van arrive. Ça va, eh, franchement, c'était joli. Pff, franchement, je crois que t'as pas regardé l'épisode 3 de Polybridge, hein. Pas plus de route? Ah ouais, t'es comme ça, bah si tu veux, hein. Putain, un jour, j'apprendrai à faire les triangles proprement. Je vous le garantis. Ça tient. Pas. Quoi, t'es sérieux? Un câble? Je te mets un câble comme ça, 4000$. Est-ce que j'ai assez de route si je fais juste ça? Ah, il y a pile ce qu'il faut de route. Putain, comme par hasard, quoi. Ah, on va tester. Voyons voir. Super. Non, mais même, je suis trop con parce que si les deux bateaux passent en même temps et si le pont se coupe à deux endroits en même temps, le milieu, il va tomber dans l'eau. C'est débile, mon idée. Je vais remplacer chaque truc qui pète par de l'acier, moi, je vous le dis, hein. Ouais, tu sais quoi, on va tous les remplacer par de l'acier. Ouais, mais par contre, si la route pète maintenant, là, je suis plus dans la merde. Ah, ça tient. Pas. Ah, ça peut peut-être fonctionner. Allez, faut qu'il réatterrit bien. S'il te plaît, réatterrit très bien. Ouais, t'as carrément dégagé le pont, là. Ça doit passer, je pense que ça peut passer. Ah, vas-y, accélère. Si on lui fait faire un petit saut vers le haut. Vous pensez qu'il passe? Super. Je sais pas, d'un côté j'ai envie de l'effacer, d'un autre côté je me dis franchement c'est quand même con que juste parce qu'il tombe pas dans le bon sens ça foire quoi, regarde, hop. Si je mets en vitesse 300, tu vas pas 3 fois plus vite par hasard? Non. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste raccourci un petit peu le là, et... What? Attends, c'est peut-être pas bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon.
Oh, c'est passé. Je suppose que c'était absolument pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave, on continue. Putain, j'ai 16 000 de budget, t'es sérieux? J'ai que du bois et de la route. Je peux pas faire autrement. Ça tient, mais j'ai 7 000 $ de trop. Ah, attendez. Je peux peut-être me servir de ça. C'est pas terrible, terrible comme idée. Mais c'est exploité quand même. Oh! Oh, ça marche! D'accord. Merde, j'ai fait next. Oh putain, je suis trop con. Et je me serais trompé sur le budget de ce pont aussi. Ah, je crois que c'est marqué en jaune parce que j'ai dépassé le budget. On va quand même. Je vais refaire celui-ci. Peut-être un truc comme ça. Ah. Ça tient. Et le budget est bon. Ok, donc celui-ci c'est bon. Et donc si je fais next, est-ce qu'il est passé en vert? Ouais, donc je me suis trompé sur le budget de celui-ci. Ok, celui-ci il est à refaire. Et je me souviens absolument plus de comment on avait fait pour que ça marche. Voyons voir comme ça. Tranquille. Et on passe avec 5 000 de budget en trop. Je vais vous montrer comment j'ai fait. On va vérifier quand même que le deuxième passe. Ça. Non, le deuxième il a. Non! Ah putain, c'est là que ça a niqué. Donc là, ça devrait peut-être être bon. Premier, il passe. Allez, le deuxième. C'est bon. Donc en gros, comment j'ai fait? J'ai simplement remplacé les bouts de bois qu'il achète, donc ceux du haut, par du fer. Et là, j'ai mis 2 barres de fer pour que ça stabilise et ça a l'air de plutôt bien passer. Ce qui fait que logiquement, tout est en vert, et sauf le dernier niveau que je pense on va faire. Waouh, waouh, waouh. Combien je peux faire de routes? Illimité les routes. Donc je pense que si les routes sont illimitées, c'est pour qu'on passe au-dessus. C'est sûrement pas ce que je suis en train de faire. Je suppose qu'il faut faire. Attends, est-ce qu'il y a de l'hydraulique? Oui, il y a de l'hydraulique, donc c'est absolument pas ce que je suis en train de faire. Mais ma foi, c'est pas grave, hein, on s'en fout. T'imagines si c'est ça que les mecs ils font sur internet? Genre, ils font des techniques aussi bidons. Putain, mais mate-moi la gueule du pont. Tu m'étonnes que ça tienne pas. Ah, mais j'ai pas de métal. Oh, j'ai pas de métal. Comment je fais sans métal? Ah, j'ai pu le faire tenir ici grâce à une sorte de petite barre. What the fuck? Attention, la voiture rouge est beaucoup plus lourde par contre, faut que je fasse attention. Donc l'énorme bateau passe. Moment véridique. Non! Non, si proche du but! Non! Après, je suis à 9 000 sur. Je suis à 9 000 sur 29 000 $. Tu m'étonnes que ça marche pas. Qu'est-ce qui. Ah, mais là, il manque un. Putain, il manque un truc. La voiture bleue, elle passe. Je crois que ça va être ma miniature pour YouTube, ça. L'énorme bateau, il passe tranquille. Et la voiture rouge, maintenant. Je pense qu'elle peut passer. J'avoue bien un triangle. Et elle est passée. Eh, s'il te plaît. 29 000 $ de budget. J'ai utilisé que 9 000. Alors oui, je suppose qu'il fallait faire de l'hydraulique et compagnie, mais c'est tellement drôle. Bref, on va regarder les niveaux suivants. What? J'ai qu'un seul point et on peut faire que 4 routes. 1, 2, 3, 4. On peut même pas accrocher. Ah, ok, il doit y avoir une couille quelque part. Ou alors je pense qu'il faut faire un truc genre. Mais non, je peux même pas. What the fuck? Comment je vais faire ça, moi? Je sais pas. Surtout qu'on a qu'un seul point, c'est horrible. Donc les amis, on va cesser là pour cet épisode de Polybridge. J'espère que vous aurez apprécié. On a terminé le monde 1, on vient de terminer le monde 2 et on va attaquer le monde 3 qui, dès le début, est hyper compliqué. Après, on aura le monde 4, 5, 6. Ça va être compliqué. C'est quoi le tout dernier niveau du jeu? Alors, un pont de 100 mètres avec 1 million de dollars de budget. Mais c'est facile. Rien que pour les routes, je claque 20 000 dollars rien qu'en route. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour la suite de Polybridge. N'hésitez pas à commenter, à partager, surtout à vous abonner. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous!